Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Juste, je vais vous faire part de deux rêves que j'ai faits récemment. Il y en a un premier où j'ai rêvé qu'en bas des églises, je priais, je venais aux unions de prière dans l'église, une en Angleterre. Et en fait, depuis ce rêve-là, en fait, j'ai compris que ces diamants-là qu'il y avait en bas des églises, c'était nous. C'était nous, les enfants de Dieu, qui prions, en fait, à chaque fois, aux yeux de Dieu. Nous sommes très chers pour lui. Et c'est nous qui brillons aux yeux de Dieu, pardon. Et je vois le second rêve, en fait, il s'est passé que, en fait, je l'ai fait hier soir pour vous dire, voilà, j'ai rêvé. Et en fait, le prêtre voulait, dans mon rêve, en fait, voulait prendre une photo des enfants, enfin, des fidèles qui étaient dans l'église. Et au moment, en fait, où il fallait faire la photo, il disait de lever la main droite pour saluer Dieu, pardon. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il n'y a personne qui se levait. Donc, il a fait une première photo. Et moi, je me grandissais, en fait, au maximum pour lever la main droite, comme ça, au ciel. Et la deuxième fois, il a refait une photo et après, je vais le voir. Et du coup, je lui dis, ouais, mais vous m'avez bien vu, j'espère que vous m'avez bien vu. Il me fait, oui, je t'ai vu. Mais il y a beaucoup d'enfants que je vois pas en fait apparaître dedans la photo et pourtant, ils sont tous là présents. En fait, derrière tout ça, en fait, c'est un signe que en fait, Dieu, il voit ses enfants, mais personne ne se manifeste. Et en fait, dans ce rêve-là, moi, je vous dis franchement, je sens que en fait, beaucoup de gens en croient, mais personne ne se manifeste, personne ne partage autour d'eux. La parole de Dieu, et en fait, c'est dommage parce que du coup, aux yeux de Dieu, vous ne brillez pas comme des diamants. Et en fait, dans ce premier rêve que j'ai vu, en fait, et que je fais le parallèle avec le deuxième que j'ai fait hier soir, je dis franchement, je pense que c'est une réalité. Les enfants qui prient et qui se manifestent au nom de Jésus autour de leurs parents, de leur famille, tout ça, ils brillent aux yeux de Dieu. Mais si vous ne brillez pas, c'est que en fait, vous êtes éteint. La foi est pas un flambeau, vous n'êtes pas un lambeau allumé. Pour Jésus, vous serez pas prêt, en fait, voyez? Et en fait, c'est ça, en fait, la parole que le Christ a voulu me faire comprendre, je pense. C'est cette parole-là qu'en fait, j'espère que beaucoup de personnes pourront voir que c'est une réalité. Et c'est, voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça, en fait. Et j'espère en tout cas que ça pourra vous toucher aussi et vous pourrez à nouveau vous manifester au nom de Jésus. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.